Voilà, c'est ça. 30 et 20, donc... Ah, il manque quoi? Ok, c'est encore le... Ok, c'est parce que ça a sauté. Mais voilà, c'est accepté. Ok. Ok, donc ça, une librairie. Donc ça, je vais m'en occuper. Human Rights, ouais, c'est pour les... Ça, c'est un tas de trucs à remplir. Ça, c'est pour le... Faut... Gordon Ramsay, ça me fait marrer. J'adore Gordon Ramsay en plus. Comment il... Ça, c'est... Il faut faire passer à 5 prisonniers la formation de... la formation en cuisine. Voilà. Il y a ça. Alors ça, en fait, il faut attendre. Bon, on va le prendre, mais ça va être long. Il faut attendre que 1000 prisonniers soient passés dans le... Ah non, il faut avoir... Ah non, c'est pas le... C'est pas au parloir. C'est à la conditionnelle. On doit avoir 1000 prisonniers qui passent, enfin 1000 prisonnières qui passent en conditionnel. Et salut aux deux viewers qui sont présents. Je viens de voir que vous étiez deux sur le chat. Merci d'être là. Donc, il y a ça. Ici, c'est quoi? Ah oui, alors ici, c'est l'histoire avec les snipers. Alors, ça me fait marrer parce que je peux pas... Enfin, ça a aucun intérêt d'utiliser. Je pourrais très bien le faire pour remplir la subvention. Le truc, c'est que si vous regardez ma prison, en fait, j'ai créé une prison où il n'y a pas d'extérieur. En fait, tout est... à chaque fois, j'utilise l'outil de fondation, et ce qui fait qu'en fait, ma prison, si on la regardait de... Si on lui rajoutait un toit, en fait, aucun prisonnier n'a vue sur le ciel. Il y a un toit en fait partout au-dessus de chaque pièce, même du couloir central ici. Tout est en intérieur. Donc dans un endroit où il y a, voilà quoi, je veux dire, la prison a forcément un toit, donc ça sert à rien d'avoir des tours de sniper. Ils pourront pas tirer à travers le toit sur les prisonniers en cas d'émeute. Donc c'est un peu ennuyeux parce que ça... Ou alors ça marche, mais c'est complètement buggé dans ce cas. Faudrait que j'essaye les snipers. J'ai pas encore eu l'occasion de les essayer sur cette version. Bien-être du personnel. Est-ce qu'il... Oui, donc ça c'est bon. J'ai fait la salle de repos. L'étude sur l'alimentation carcérale, non merci. J'avais rempli toutes les conditions de bloc de cellules. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il me faut donc la librairie et Haven Accountant. Normalement, Accountant, en anglais, si je dis pas de bêtises, c'est une financière. Mais le problème, c'est qu'une financière, ben, on en a une depuis le début du jeu quasiment. Donc, voilà. Donc, il faut juste que je construise une librairie. Et on va la construire ici. Donc, elle est où? Ah, je l'ai vu. Ah, bibliothèque. Ouais, c'est vrai que le jeu est traduit, donc c'est pas librairie. Je cherchais en fait le terme librairie, mais en fait c'est bibliothèque. J'ai pas regardé pour les conditions. 5 x 5 minimum, en intérieur évidemment. Étagère de bibliothèque et bureau de classement. Bon, moi, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Il faut juste que je zoome. Ah, zut. Il faut juste que je zoome un petit peu. Et donc, l'étagère. Zut. Et bureau de classement, qu'on va mettre là.
c'est une rangée de derrière. Voilà. Et donc on va pouvoir attribuer des prisonniers ici. Enfin, on va pouvoir, pareil, c'est du travail carcéral. Bon, normalement, il n'y a que des livres, alors il n'y a pas de danger là-dedans. Normalement, il n'y a pas. Ah, attendez, il me semble que j'ai un problème avec le... J'ai des drops? Non, c'est juste le live qui a sauté chez moi. D'accord, ok. Hein, merci YouTube. Ok, et donc... Toujours pareil, logistique. Ah, non, j'ai pas de... J'ai pas à attribuer, en fait. D'accord. En fait, non, c'est juste comme ça. D'accord, très bien. Il me semblait que c'était du travail carcéral. Ça n'est pas le cas. Bon. J'ai encore des prisonnières qui arrivent. On en est où? Alors, il manque quoi en pièces? Essayer individuel, mais ça on n'en fera jamais. La chambre d'exécution, parce que oui, on pourrait faire le couloir de la mort, mais non merci, enfin pas pour le moment du moins. Il y a l'atelier, mais l'atelier est dangereux. Il y a la salle du courrier, il y a la salle du courrier. Normalement ça c'est du travail carcéral aussi ça. Le magasin on le fera pas. Mais la salle du courrier, ouais. On va la faire. On va la faire, comme ça ce sera fait. Hop, on va la faire là comme ça. Pareil, on va faire du 9x9. Il fallait que du 5x5 de toute façon, mais voilà. On a une grande et puis c'est tout. Alors, et en objet, il me faut un bureau de placement. C'est ça, hein. Et des tables. Ok. On va passer. Comme ça. Oula. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Je vois le genre. Non, je vois le genre. Je vois le genre. Non, ok, ce sera pas nécessaire. Mais il me faut absolument une patrouille ici. Il me faut du déploiement ici. Alors, en plus, il va manquer une... Il faut d'abord que je pose une porte de prison ici. Bon. Allez, excusez-moi. Ça fait un peu la gerbe à chaque fois que je zoome et je dézoome, mais... pas faire autrement. Allez, excusez-moi, ça a bougé ici. Voilà. Une petite émeute. Ça a rien. Ça, tous les jours vers 13h, là, ils sont un petit peu... Enfin, elles sont... J'ai du mal à me faire l'idée que ce soit une prison de femmes. C'est ma première prison de femmes, hein, j'avoue. Que je fais dans ce jeu. Donc, il y a des mécaniques qui sont parfois un peu complexes. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles ont? Manque de bouffe. Quoi, vous avez buté nos cuisiniers? Comment ça se passe? Ouais, on va peut-être en engager d'autres. En fait, je crois que les cuisiniers sont surbookés. Tiens, envoyez une vingtaine.
Et j'ai pas d'eau là. Je n'ai pas d'eau. Pourquoi je n'ai pas d'eau? Parce que l'eau était tirée de manière n'importe comment. Okay. Allez, montez-moi ça. Donc la salle du courrier, c'est bon. Ok, maintenant il me manque l'armerie, le chenil et les salles de classe. Alors les salles de classe, ouais. On pourrait en faire là des salles de classe, mais on va partir sur mon idée de base. Quoique, on peut peut-être changer. Si je me m'installe ici à la base de la foresterie, ça dépasserait. Non, on va partir sur mon idée de base. J'ai combien? Alors, j'ai 332 000. Donc, je vais m'acheter l'extension. Voilà. Donc, on a l'extension. Oups, là, ça fait un peu n'importe quoi. Hop. Et donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est faire l'entrée de ça, de cette prison. Donc, hop, on va libérer ça. J'ai libéré un poil trop, mais ça fait rien. Donc on va avoir en question objet, on va avoir. Ah oui, alors attendez, que je dise pas de bêtises. On va la jouer autrement. On va la jouer différemment de ce que j'ai fait sur ma prison. Ouais, on va faire ça là. Ok. On va tirer des murs. On va tirer des murs, ça va pas être compliqué. Donc on va en tirer un ici. Ouais, comme ça. Hop. On va en tirer un au niveau de la déchetterie ici. Voilà. Ici comme ça. Voilà. Entre deux, on va poser. Les portes de... Ah d'accord, ok, sont mal placées. Sont mal... Arrête, sont mal placées. Voilà. Faut qu'elles soient placées comme ça. Voilà. Ok, et de l'autre côté. Donc. Bien sûr, il faut toujours qu'ils aient un accès, donc on va mettre ici et ici des portes de service pour que ce soit toujours accessible. Au niveau des pièces, donc on va tout le stockage qui est là entre les deux, hop, on va le virer. L'entrepôt va devenir extérieur en fait. Ouais, l'entrepôt je le mets là. Bon, pour le moment, ça changera à terme. Mais voilà, l'entrepôt, je le bouge. Et maintenant, je vais faire un petit peu une symétrie, mais tout en briques. Parce que voilà, c'est juste une question d'esthétique. Il n'y aura pas de prisonnier à droite. Attendez, excusez-moi, j'ai mon Firefox qui a bugué. Qu'est-ce qui se passe? Bon, rien de grave visiblement. Donc, hop, on a ici. Donc ici, hop, on va avoir du 5. Et on va déjà poser ça. Je vais mettre en pause. Alors, il nous faut
Un chenil, une armurerie, des salles de classe. Il va nous falloir également la salle de sécurité. Donc, pas compliqué, on va avoir ici, on va faire des grandes salles. On va faire des grandes salles histoire de pouvoir en héberger un maximum. Normalement, voilà, 25 fois 21, c'est ça. Et puis, donc, une entrée ici. Voilà. Ensuite, on va avoir le chenil. Pareil. Donc ici, ça va être pour les chiens. Et ici, alors, il faudrait que je fasse la salle plus petite, mais on va rester sur quelque chose de très carré. Voilà, 21 fois 21 aussi ici. Et là, hop, on allonge. Et on ouvre là. Ok. Ensuite, de l'autre côté, ici, alors ici, on va planifier. On va planifier parce que ça va être un peu complexe. Donc en gros, ici, je voudrais un bâtiment qui fasse quasiment la totalité du truc. Peut-être pas la totalité. Alors, on va rester sur notre idée de 21 x 21 d'un premier temps. Ok. Ensuite, on va... Donc ici, c'est pas compliqué. Ici, il y aura... pas là. Ici. Voilà. Il y aura l'entrée. Et on va commencer à partir d'ici. Donc c'est du 6x6, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Mais ici, ça va être les salles de classe. Pas compliqué. 5x5, ok, pas de soucis. Hop. On annule. Et donc voilà, il va me falloir un mur de plus. Et donc là, c'est pareil. Donc 5, 5, 5. Ça me fait 9 salles de 5. Attendez, si je dispose autrement. Si je dispose autrement. Genre, en fait, je l'ai juste un trou ici. Hop. Je dispose comme ça. Et là, je peux même mettre 4. Allez. Cinq salles comme ça. On va en créer une dizaine comme ça. Juste 10 comme ça. Ok. Et donc là, j'ai ici, ici et ici. Voilà. Ça va être mes salles de classe où mes gardiens vont s'entraîner au taser. Parce que faut d'ailleurs que je vérifie si j'ai, oui, le taser pour tous. Donc on fait comme ça. J'ai le paradis fiscal, je le prends. Ça va me permettre de me rapporter du pognon. Et donc, alors on est parti. Donc construction en briques. Hop. Ici. Et là. Et on accélère le tout.
Eh ben, cette prison, elle avance bien. Elle avance bien, on est pas trop mal. Par contre, je vois que l'attention de mes prisonnières pose problème. Alors, 400, plus de 400 se plaignent sévèrement. 466 sont en cellule ou en isolement. Il y en a combien actuellement en isolement? Il y en a que 174 en isolement et... Ah oui, d'accord. Et en attendant, les autres sont en cellule. Ouais, il y a des petites émeutes. Il y a des micro-émeutes, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est un manque de... C'est un manque de bouffe. Et ben, on va faire des cuisines supplémentaires. On va ici ouvrir une cuisine supplémentaire qui pourra produire beaucoup plus de nourriture. On va faire ça. Et ici, je sais pas ce qu'on fera. À la limite, on supprimera cette cuisine-là pour une cuisine plus grande et plus productive. On fera ça. Peut-être même la programmer tout de suite. Alors, l'autre, elle faisait du 15x15. Déjà, si j'en fais une de 21 pour 21, ça va être pas mal. Mais il faudrait vraiment penser vraiment production de masse. Donc une cuisine massive. Voilà, du 32 x 32, là, ça me paraît bien, ça. Allez, on va construire cette cuisine. Une cuisine absolument immense. Voilà. Ok. Et on va s'occuper ici des salles de classe tout de suite. Est-ce que j'ai les... Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai salles de classe. Alors, comment elles sont? Non, elles sont pas du tout comme je voudrais. Donc non. Salles de classe. Hop. Donc on va en construire une et la dupliquer ou non, on va en construire quatre à la main entre guillemets et après je les dupliquerai simplement. Donc là, on est obligé, il nous faut, ouais, en plus c'est vraiment pas compliqué, c'est des bureaux. Et des pupitres. Oh, laissez-moi deviner. Je sais ce qui manque. Vous allez rire. Et ces cons-là, ils ont créé le bâtiment. Et il n'y a pas de porte. Mais quel con! Bon, ce sera une... Voilà, je vous ai dit, ce sera juste des trucs de prisonniers. Là, ce sera pas un... Il n'y aura pas de prisonniers ici. On va mettre en... De toute façon, en... D'ailleurs, je voulais faire ça. Ah oui, alors, ici, suite à quelques petits problèmes d'évasion, il m'est venu une petite idée très rapide que l'on va faire. On va mettre un second sas. Second sas avec voilà. Ici c'est bon. Ici ça se construit. Ici, alors ici j'ai dit, alors on va peut-être faire le on va peut-être faire d'abord la... On va mettre l'armurerie le plus loin possible en cas de problème en fait. Donc, on va prendre les pièces. Et donc c'est la sécurité qu'il me faut. La salle de sécurité. Voilà. Hop, on va faire ça. Et une émeute. Ouais, les émeutes, il va vraiment me falloir les gardes armés. Et cette cuisine aussi, parce que... Ouais, j'allais dire... donc ça, le chenil, ici.
Hop. Et l'armurerie ici. Voilà. Et ici, on va mettre une maxi cuisine. Une cuisine qui va produire à fond, à mort. Et on mettra une centaine de cuisiniers dedans s'il le faut. Mais on va... Pas de bêtises. La cuisine. Cuisine. Hop. Voilà. Et alors, de toute façon, ici, de toute façon, ça va être un lieu de confiance. Ça va être vraiment un lieu de confiance. Ici, normalement, il devrait y avoir que des employés ou des gardiens. Il n'y aura aucun prisonnier. S'il y a un prisonnier ici, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ou alors, c'est parce qu'on aura autorisé les classes, mais dans ce cas, voilà. Mais dans tous les cas, on va quand même mettre un petit détecteur de métaux, surtout si on a des caisses de bouffe qui se baladent ici. Parce que souvent, il y a des trucs qui sont mis dans les cartons de bouffe, on ne sait pas d'où ça sort. Mais voilà, au moins, tout ce qui sort de ce bâtiment pour aller dans la prison en face va passer par ce détecteur de métaux. Comme ça, on est tranquille. Attendez, excusez-moi, j'ai un chat. Le chat. Et là, on va bien voir comment on se débrouille. Donc tout ça, normalement, c'est relié à celui-là, à ce... Ouais, à ce générateur-là. Peut-être que la cuisine, on mettra son propre générateur vis-à-vis des fours et des trucs comme ça, parce que... Ouais, on va faire ça. Parce que là, les mecs, vous êtes sympas, mais en fait, ça, on va l'annuler. Et on va créer... Alors, je vais quand même tirer un câble électrique ici. Et ici, ouais, juste là. C'est pas compliqué, juste là. Est-ce qu'on le fait passer derrière la salle de classe? Ouais, on va faire juste une porte de service ici. Ici, on va faire un centre électrique. Pour... Exclusivement que pour la cuisine, et on agrandira la cuisine. On peut agrandir la cuisine en plus si jamais il y a des problèmes. Donc, hop, non, brique. Donc, attendez, je sais jamais combien il me faut. Normalement, c'est du 7x7, hein. Parce que 3, 5, 6. Ouais, normalement c'est du 6. Allez, je vais faire du 9x9. C'est histoire d'avoir un petit peu d'espace. Et donc ici, hop, on va mettre la porte d'accès ici. Comme ça. On la pose tout de suite, comme ça on n'oublie pas. Et là, on tire le câble. Et là, on va pouvoir se concentrer sur notre petite cuisine. Enfin, petite cuisine. On est déjà sur de la belle cuisine là. Va falloir que je gère également tout ça.
Il y a pas mal de choses à gérer. Alors, on va déjà terminer, c'est... Ah, il y a une map. Non, non, c'est la page 1, tiens. You want to build a prison. An operate prison. D'accord, ok. D'accord, donc ça, ce sont ces règles de base qui s'est imposées. Voilà, chaque prisonnier rapporte de l'argent. Ouais, voilà. Donc, voilà. Non, c'est intéressant. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Il s'est vraiment refait un bouquin avec ses notes et il l'a intégré au jeu, honnêtement. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, donc ça c'était la petite prison. Bah, la petite prison, n'importe quoi. Les salles de classe. Mais. Ça y est, mes chats deviennent fous. Salut à toi qui es sur le live. Je suis désolé, j'ai un chat qui a décidé de tout défoncer dans la maison. Je sais pas ce qui se passe. Alors. On va se remettre en accéléré. La petite sauvegarde automatique arrive au mauvais moment. Alors, on va reprendre la cuisine qu'on avait tout à l'heure. Voilà, qu'on avait là. On va reprendre un petit peu le même schéma de base. Ouais, voilà. Et donc, on va faire une cuisine beaucoup plus grande avec ces éléments-là. Honnêtement, là, il y a de quoi faire, hein. Ça, c'est une cuisine où je m'y connais pas. Il y a tout ce qu'il faut là. Il manquera juste, c'est des poubelles. Ouais, il manque juste, c'est des poubelles. Donc, on va rajouter, hop, genre ici, une petite rangée de poubelles. Voilà, sur le fond, comme ça. Ok. Ensuite, ce qu'il va falloir ramener, c'est de la flotte. J'aurais pu aussi mettre une deuxième pompe. J'aurais pu ramener une deuxième pompe. On va faire une deuxième pompe. On va faire une deuxième pompe, ça va être plus simple. Alors, fondation, briques, hop. Voilà. Et ici, on va mettre une pompe. Ok. Comme ça, ici, on a, hop, les tuyaux qui arrivent comme ça. Puis le tuyau, on va le faire passer ici en gros. Hop. Comme ça, dans le mur. Voilà, on va la coller. Et voilà. On a une pompe.
qui va alimenter en flotte tout ça. Alors, ok, ensuite, bah, juste nous manquer électrique. Donc en fait on va passer directement comme ça. On va directement passer comme ça. Ce sera plus simple. Et pour le fun, je raccorde aussi. Bon, bah pour le moment, tout est nickel. Ok, alors ici, je sais ce qu'il me faut. Voilà, il me faut l'équivalent d'un bureau. Ouais, mais je ne peux pas copier un bureau et le... Enfin, si je pourrais. Mais bon, je vais faire autant directement. Hop, voilà. Donc il me faut... On va le mettre là, le bureau, la chaise. Et le classeur. Ok, ici il me faut les caisses de chiens. Donc ça c'est tout à fait normal, hein. C'est le principe même. Un chenil. Il y a des niches. Il faut qu'on mette plein de niches de façon à ce que les chiens puissent bien se reposer massivement. Et pour finir, le dépôt d'armes. Alors là, le dépôt d'armes. Donc il me faut un râtelier d'armes. Je peux pas le retourner. D'accord, ok. Donc on va le mettre ici. Il me faut des tables. Donc, on va mettre des tables ici. Ok. Et pour finir, il me faut masse casier de gardien. Et ça va. Et les casiers de gardien vont définir combien de gardes armés je peux avoir dans ma prison. C'est pour ça qu'il me fallait une grande pièce à la base. Ça va me faire pas mal de gardes armés, je vais pouvoir en mettre pas mal en patrouille. Voilà, comme ça, et là déjà on peut voir mon nombre voilà, de gardiens armés possibles qui augmente, donc là je peux en mettre 48. Voilà. Donc, on va tout de suite engager quelques maîtres chiens. Alors, donc on va en avoir ouais, une bonne cinquantaine. On les attribuera après à des à des rondes. Est-ce qu'on m'entend bien? Je sais pas si on m'entend bien. Donc, ah, j'ai un problème. Ah, j'ai deux, j'ai voilà, j'ai deux prisonnières mères. Ils vont me casser les dents. Va falloir que j'achète l'extension là. Va falloir que j'achète cette extension là. Combien ça me coûterait? 120 000.
Bah écoutez les filles, hein, en attendant, vous allez devoir vous en passer. Aïe 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 aïe. Dis pas qu'il y en a pas. Dis pas qu'il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Va falloir que. Ouais, va falloir que je fasse. Aïe 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 aïe. Ah, je m'en doutais. En plus, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi je le pressentais. Que je voyais trop gros. De m'emmerder. Donc j'en ai combien là? On va couper en deux, hein. Ça va pas être compliqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je pense qu'on va couper à 10 lignes. Ça fait une vingtaine de. Ouais, ça fait même beaucoup déjà. 5. Là déjà ça me fait 10. Ouais. Là ça me fait 5. 6, 7, 8. 9, 10. Bah écoutez, je vais couper là. On va voir déjà si ça tient pour ce premier pour cette première partie de cuisine. Ça tient. Ok. Bah maintenant, il me faut juste le deuxième. Et pour cela, il faut qu'il me vire le. Faut qu'il me vire ça. Non, en fait, il est. Voilà. Ok. Il était en cours d'installation. Il n'était pas en cours de. Bah résultat, les tuyaux, bah, il va falloir qu'ils passent ailleurs. Donc il va falloir que je les fasse passer. Comme ceci, ça le fera. Allez, ça va le faire. Comme ça, et je tirerai mon second câble. Comme ceci. Et donc là on est bien. Alors, attendez, j'ai entendu un claquement, j'espère que c'est pas une autre. Non, j'allais dire, j'espère que c'est pas un autre. Un autre générateur qui a lâché, mais. Alors, j'essaierai bien un truc. Parce que c'est un truc que j'ai pas essayé, mais je pense que la logique a pas changé là-dessus. C'est de brancher deux générateurs ensemble. Alors je sais pas si le mode que j'ai installé va modifier ça ou si ça a été corrigé dans le jeu. Mais j'aimerais bien essayer parce que c'est relou quand même à force. J'ai déjà expliqué lors de la saison 1, c'est assez agaçant que. Parce que normalement, enfin je veux dire. Deux générateurs en série, ça se fait quoi. Ou même en parallèle. Dans la réalité, ça se fait. Je vois pas pourquoi là, ça pourrait pas le faire. T'en es où de ça? Bon, contrôle-clic gauche, pour lui donner la priorité, ça donne quoi?
rien du tout. Qu'est-ce qui bloque les mecs? L'espèce de livraison est vide. Là, je fiche pas les mecs. Normalement, vous installez vos tuyaux, quoi. Point. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, c'est un mec qui est pas content en sortant de là. J'ai plus de soucis avec avec les prisonnières mères. C'est étrange. Donc oui, j'ai compris en fait hein, au niveau de la carte. Si je prends une prisonnière mère. Hop, que je regarde sa carte. Face à, voilà, ici. Ex-mari 33, en fait c'est l'âge de l'ex-mari, de sa fille, de sa mère, de son père et de son fils. Fils 0, en fait, c'est l'âge de son fils a moins d'un an. Et c'est pour cela que donc qu'elle est mère dans la prison. Voilà, ça explique tout. Bon, bah cette cuisine, dès que les tuyaux qui manquent seront posés, ça sera devenu une vraie cuisine. Est-ce que je vire l'ancienne? Pas tant que l'eau n'est pas installée, on ne sait jamais. Mais cette cuisine-là devra changer pour devenir autre chose. Quoique non, elle devra rester là, cette cuisine-là, parce que ce sera une cuisine pour les prisonniers, enfin les prisonniers qui sont en milieu carcéral. Donc, ouais, non, on va la laisser, cette prison, enfin, cette cuisine-là. Par contre, au niveau logistique, distribution de nourriture à la cantine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, ok, d'accord. Bah, en fait, on va faire ça comme ça. C'est-à-dire que cette cuisine-là, ici. Ouais. Cette cuisine-là va vraiment distribuer que jusqu'ici. Et c'est l'autre qui va alimenter le reste de la prison. Donc cette petite cuisine-là va servir uniquement à servir les prisonnières mères, alors que l'autre grosse cuisine qu'on est en train de bâtir servira à alimenter la cantine et donc tous les prisonniers qu'il faut, enfin, tous les prisonniers de la prison. Et mes cellules d'isolement sont trop petites, donc il va falloir que j'agrandisse encore cela. Bon, c'est parti, hein. Fondation, béton, on va déjà agrandir le bâtiment pour agrandir les colonnes préexistantes et on va rajouter encore une colonne là. Il est là, ouais, bientôt 14h. Ouais, je peux faire ça. Je peux totalement en remettre des cellules ici, en caser ici. Hop. Non, 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 pas comme ça. Ah, matériaux. Là, je me suis vautré. C'est pas comme ça. Les pièces, pareil, parce que ça va bugger.
Voilà, et donc dupliquer, faire construction. Ici comme ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ici, j'ai un peu d'argent, alors j'en profite. Je vais... Si je fais ça... Si je prends juste un... Non, faut que je prenne tout le lit, mais le problème c'est qu'il y a les lumières en dessous, alors... C'est ennuyeux. Objet... Multicaliser... Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Ouais, à mon avis, là, je dois impacter sur son bureau. Ça doit pas forcément être utile. Ok. Ici, et on va rajouter aussi hein, bon, bah, des tables en cas de grosse émeute. Mais s'il vaudrait, encore une fois. Ouais, allez, je les fous comme ça. Ah, petite sauvegarde d'auto qui... J'ai le tactile qui rip. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, honnêtement, là, on gère. On gère, on gère. Peut-être une salle du personnel plus grande à faire de l'autre côté. J'aimerais bien, enfin. J'aurais bien aimé, c'est à long terme, tout ce bâtiment-là, là, ce bâtiment en briques, là, le déménager de l'autre côté de la route. Parce que, initialement, c'est ce que j'aime faire. Enfin, c'est vraiment, d'à côté, il y a la prison, et avec les gardiens et leur travail carcéral et tout. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est bah, administratif, tout ce qui est employé, non... Comment dire qui normalement n'a pas à être en contact avec les comment avec les prisonniers quoi, enfin les prisonnières en l'occurrence. Mais bon, ça va rester comme ça. Sinon, faudrait que je rase et que je refasse tout. Mais voilà, là, un peu, je veux dire, ça marche, ça va. Allez, c'est bon. Hop, planification. Hop, ça vire. Ensuite, bah justement, hop, on va regarder un petit peu au programme et on va donc initier nos gardiens au taser. Alors, ce système-là est mieux foutu que le précédent. Quand il n'y a plus de salle de disponible ou quand il y a vraiment personne qui peut suivre le truc, on a beau cliquer, il n'y a plus le message comme on avait en V1, aucune salle disponible, et c'était super chiant. Les conditionnels, on va en augmenter le nombre également. Maximum. Ok. Très bien. Est-ce que maintenant la guidance spirituelle, ça marche? Toujours pas. Ok, dommage. Hop, groupe anti-alcoolique. Pourquoi? Je comprends pas. J'ai la salle commune, j'ai les chaises. Il s'est pas fait dérouiller, moi. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, il est là, mon psychologue.
D'accord. Bon. Mais le con! Je sais pourquoi! Je le sais pourquoi! C'est à cause du le... Voilà! Ils ont pas de temps de travail dans les... Ah, dans le régime. Il me faut un temps de travail. Ou de travail et de temps libre. Donc ça, on va le corriger. Ça, on va le corriger tout de suite. Donc je vais faire un petit peu le même truc que j'avais fait à ma partie précédente. Voilà. Et donc temps libre. Donc beaucoup plus de temps libre. Là, 4 heures de temps libre comme ça. Ici. En fait, les repas. Voilà, les repas vont être également différés. Hop. Ouais, là c'est bon. Ensuite, on a... Excusez-moi. Excusez-moi, encore... je sais pas, j'ai un de mes chats qui, je vous dis, il pète un foin. Hop. Pourquoi ça l'a pas pris? Hop, temps libre, temps libre. Alors, pour le moment, c'est temps libre, mais ça changera à terme. Bon. Alors. Ah, c'est pas vrai, j'ai viré le temps du repas des mètres secs. Hop. Repas. Ici. Là. Et ensuite, on va avoir le travail. Travail ou temps libre. C'est au choix. 3, 4. Et je mets toujours 4 heures.